Salut, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Oli, on est bien sur GTA Online, on a pas 44 pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui rapporte le plus dans tout ce qui est course, mission, etc. Donc là, je vous ai lancé une petite mission, une course solo pour être tranquille et vous montrer un petit peu qu'est-ce que vous pouvez balancer en solo. Vous les mettez en boucle, vous les faites en boucle pardon, pour que ça vous rapporte un maximum d'RP et un maximum de dollars. Allez, c'est parti. Moi, j'ai mis la course casse-couille déforestation. Allez, c'est parti. On va voir qu'est-ce que ça donne. En plus, toutes les courses, vous pouvez les lancer en solo. Donc franchement, c'est tout bonheur pour récupérer un max d'argent et un max d'RP. Ah, déjà là que je commence déjà mal. Ah, je me rappelle de ce que vous avez déjà dit quoi fait il y a longtemps, 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 longtemps. Ouais, par contre ici on sait pas. C'est pas les courses avec les super sportives où on peut en plein circuit partir du circuit, se retrouver tout en bas pour gagner du RP. Non, dans celle-ci non, on peut pas. Ça c'est pas possible. Ici on va faire tout simplement la course et voir combien ce que ça va rapporter à la fin quoi. Wow, wow, putain, je pensais que c'était un super saut. Oh putain, tout juste hein. Oh putain, c'est con. Dommage. C'est parti pour le saut. On va faire un 360 degrés. Wouhou! Vous avez du RP en plus. À chaque fois, vous faites une figure. Bah là, je l'avais mis en 2-2. Pour voir quand même qu'est-ce que ça rapporte en 2-2. Plus vous faites de tours, plus ça rapporte. Hein. Oh putain! Oh! Là, faire à 360 degrés, pas possible, quoi. Il est trop lent. Enfin, c'est réaliste, quoi. Franchement, c'est vraiment bien fait, quand même. Ouh! Oh putain, Oli, qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire des trop gros sauts et après, prendre une grosse gamelle. Ah, ici, ouais, c'est bon. Yep, yep là. Bon, ici, on peut. Oh putain, je vais tirer roue, moi. Oh putain, la chance. 100 RP, 100 RP, 100 RP, 300 RP, j'ai pris. 300 RP, quoi.
on va arrêter de déconner, parce que ici surtout pas de déconner, parce que c'est un petit piège, vous voyez, dans le virage. Tout à l'heure, j'ai failli prendre, il n'y aurait pas eu les panneaux, je pense que c'était bon, quoi. Ouais, c'est bon. Ici aussi, faire attention. Cinquante RP, ouais, c'est parti. Voilà, c'est fini. Et voilà pour la première course. Alors, on va voir. 5 minutes 33. Ça fait 10 000. 3580 RP, c'est joli ça. Pour une course, franchement, c'est joli. En tout cas, pour une course de roue. C'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? On va refaire une deuxième course. Ah, avec les super sportives. Ouais, on va essayer les super sportives. Un Chilliad LV. On va voir ça. Alors comme d'habitude les loulous, je mettrai les liens des poteaux en description. Alors parcours, ouais parcours, super sportive, on va mettre au soir, j'aime bien la nuit. Trafic, non tout ça on bouge pas, on bougeait rien. Ça c'est mieux. Ouais, on peut les lancer en solo, hein. Toutes les courses en solo. Donc, vous n'avez pas de concurrent, je veux dire, d'autres joueurs avec qui vous devez faire la course. Vous lancez la course tout seul. Ah, ma T20. Ah, T20 modé. Tesseract modé. Attends, je vais regarder les... Ah ouais, on peut choisir que dans ceux-là, en fait. Tesseract ou T20? On va prendre la T20, allez. Oh, la T20, je la kiffe, quoi. Merci à toi, Bikings. Ah, oh, franchement, hein, elle est top du top. Ouais, c'est parti, cette fois-ci, je l'ai réussi. Et c'est une bombe, la T20. Moi, je trouve que c'est ça, c'est de la bagnole, quoi. Oh, putain, ça commence déjà bien. Ouh! Oh, j'aime pas ces tunnels de merde, l'horreur de son. Mais bon.
Attention. Wouhou! On lève un peu. Oh, ici on est bon, on peut. Voilà. Oh, elle est tranquille la course, j'aime vraiment bien. Enfin, on n'est pas encore, on n'est pas encore à la fin, on va voir après, mais franchement, elle est top quoi. Dans le coffre, la piquine. Oh putain! Voilà. On va se repositionner bien ici. Ouais! Wouhou! À 360, attention, on va peut-être pas le réussir. Si, si, c'est bon. Hop là. Mais voilà, premier. Normal. On fait ça en solo. 2 minutes 49. On a eu un peu moins que dans l'autre course. Hein. Et moins d'RP, ok. Logique. Il y a des courses qui vont moins payer, d'autres qui vont plus payer. Donc c'est à vous à chercher un petit peu. Les courses qui payent le plus en fait, les mettre en favori et puis voilà quoi. Bon là on va faire ce qu'on va faire maintenant, on va repartir en mode online tout simplement. Tac, tac. Mode libre. Activité évaluée plus 50 RP, c'est bien. Et en plus ça vous débloque les codes couleurs que vous avez dans le dans les garages. Donc dans tout ce qui est Lost Custom, ça vous débloque justement les couleurs. Tout ce qui est les belles couleurs nacrées, parce que bien sûr ça il faut les débloquer en finissant des courses ou des cascades ou autres. Donc faites-les et ça vous débloque en même temps toutes les couleurs nacrées, toutes ces belles couleurs nacrées qu'on a dans les Lost Custom. Voilà, ça c'est un petit truc que je peux vous dire aussi. Vous voyez, on a fait deux courses, la première avec les bécanes, 10 000. Par contre, j'avais fait une course avant avec deux Américains, enfin je suis tombé dans une partie. Et là, avec la Tesseract, en étant deuxième, j'ai fini avec 3 700 RP et 12 400 $. Donc, j'aurais terminé premier. Le premier, il y avait 18 ou 19 000 avec presque 5 000 RP. Donc, vous voyez bien que les courses, franchement, ça rapporte bien. Et j'ai encore gagné de l'RP ici. Ouais, ok. Bon. On va appeler. Ah, ben, on n'est pas loin du bunker. On va une fois les voir dans le bunker en fait. Tant qu'on y est, on est juste à côté. Hop là. On va voir dans le bunker. Je vais me chercher un truc à boire, le de surf. Les poteaux là, j'ai soif. Un petit carreau. Bon. Alors dans notre centre d'OP, on a bien sûr l'émission. Je vais vérifier une chose dans mon bunker. Merde, c'était le côté que je devais aller au lit. Apparemment, les réapprovisionnements sont aussi en double RP, double dollar. Hein. Tout ce qui est bunker, QG, etc. Les poteaux, ils bossent ici.
Hop. Non, j'ai pas envie de... Pour gagner de l'argent, des RP, non, non. Je vais bien les laisser tranquilles. Matière première, faudra réapprovisionner. On va voir. On est dans la recherche, là, je peux... Voilà, j'ai débloqué. Acheter le minigun calibre 50 mm pour le pick-up. L'insurgent custom dans l'atelier de véhicule d'un centre d'opération mobile ou d'Avenger. Ok, nickel ça. Super. Ah. Ça, c'est pour la MK, ça. Ouais, c'est pour la oppressor, ça. Je sais pas si c'est pour la oppressor normale ou la MK2. Je pense bien que c'est la MK2, ça. Bon, là, on a tout. Gérer le personnel, ok. Vendre le stock. Ah, vous voyez, oh là là! Voilà, c'est ça qui rapporte blindé en fait. Les ventes de vos stocks dans le bunker. Ah ouais. 1 554 000 et 1 036 000. Et ça, vaut mieux le faire avec des potes, les gars, parce que ça, vous pouvez pas le lancer tout seul. Vaut mieux avoir 2 à 3 amis et le faire vraiment tranquille. Vous faites bugger la session, bien sûr, pour être tranquille avec vos potes. Et voilà quoi. Mais ça. Ça, je peux pas, je pense pas qu'on peut les faire en solo. Je pense qu'il faut être ça, je pense qu'il faut être avec au moins un ami, au moins en duo quoi. Bon, on va voir le réapprovisionnement, voler des matières premières, on va voir le RP que ça va donner, et puis on fera les missions du centre d'opération mobile comme je vous ai dit, et aussi la mission du yacht qui rapporte pas mal d'RP et 60, plus de 60 000 dollars. Voilà. Et les potos, vous faites ça en illimité. Hein. L'émission du yacht, là. Vous faites ça et vous faites éliminer les cibles. Ouais, merci. Et vous faites aussi dans l'émission de PDG, je vais vous montrer l'émission. Ah, on peut parler dedans, tant pis. Il faut prendre le buggy, là. Ah, et je suis pas obligé en fait. Ah non, je suis pas obligé de prendre le buggy. Ou alors je vais prendre l'MK2. Ouais, je vais pas me casser la... Ah ouais. Avec la buggy, vous imaginez pas. Et il y a des joueurs dans le coin. Hop là. Moi, je prends mon bacon, c'est parti, allez, hop. Au bas. Et on est parti. Hein. Sauf que là, je l'ai raté. Je monte un peu plus haut. Faut que je monte plus haut parce que ça va pas ici. Le chiller, t'es chiant. Allez. Putain. Oh my god. Là c'est parti. Très bien cette technique, au moins elle avance plus vite, il reste bloqué à 180 km/h, votre truc est... Allez, boum, ça c'est déjà une cible. Oh, il est plus bas, lui.
Ah, c'est celui-là. Ouais, hop, un. Bah ici, on va essayer de l'avoir sans le missile guidé. Wow! Ouais, c'est parti. Ouais, là ça avance déjà plus vite que tout à l'heure quand même. Attention, wow! Faut les louper parce que... Voilà. Ouais, c'est bon. Ouais, par contre, il faut récupérer la marchandise. Voilà, c'est bon, on y va. Je vais attendre parce que j'avais accéléré comme un con. Voilà. Wow! Ah, les ennemis, ouais, bien vu. Oh putain, poteau. Ouais, vous faites ça avec la MK2, hein. Franchement, c'est tranquille quoi. Maintenant, on va voir. On va voir maintenant qu'est-ce que ça va rapporter. Faites toutes les missions de réapprovisionnement du bunker avec la MK2, vous allez voir, c'est vraiment tranquille. Déjà, ça va beaucoup plus vite. Là, ils nous donnaient une putain de buggy de merde là. Wow. C'est calmé là. Bon, allez, je vais faire la petite technique là. On arrive au bunker. Nickel. Mais voilà, on est bon, on y arrive. Ouah, comment il s'est jeté quoi. My God quoi. Et voilà. On va voir combien ça va rapporter les loulous. Oh mais les ventes, c'est tout bonheur. Hein. J'ai 1 million pour Country et 1 400 000 pour l'autre quoi. Ça fait 2 400 000 de ventes que j'ai ici dans mon bunker. Ouais, ça, faut le faire avec des amis, ça c'est obligé. Ou alors.
J'ai pas vu quoi, qu'est-ce? Qu'est-ce que ça a rapporté? J'ai rien vu du tout. Stock valeur 1 036 000. Well done. Now Ah. the real work can get started in the lab. Ça nous a rien marqué du tout. Non, je pense que là. Rapprovisionnement, je pense qu'on n'a rien du tout. C'est plus pour la vente. Hein. Donc tout ce qui est double RP, double dollar, ce sera pour la vente. Regardez ici. Vente de stock. Vous voyez, 1 036 000 et 1 554 000. Donc ça me fait 2 500 000. Allez, 2 600 000 pour les deux ventes que j'ai à faire. Est-ce que c'est pas. Hein? Franchement, ça c'est le top. Hein. Et ça, ils avaient dit, hein, tout ce qui était vente et tout, c'était double RP, double dollar. Et la recherche, c'était plus 25 ou 35% de recherche. Donc, pour créer la pro, là, je vais acheter ma matière. Hop, pour être tranquille. Matière première, on sera bien. Voilà. Là, on va faire l'émission du camion. On va aller dans le centre d'OP. Non, tu vas pas te laver les mains, lui. Donc là, bon, comme je vous dis, c'est plus la vente qui sera en double RP, double dollar. Et les réappro, c'est en tant que QG de motard. Tout ce qui est rapprovisionnement cocaïne ou amphétamine et les ventes et tout quoi. Par contre, ici, ce que je vais faire. Ouais. Ouais, parce qu'il me faut le mettre en couleur. Voilà. Ça suive quand même avec la remorque. Putain, j'ai débloqué tous les couleurs, trucs, ça c'est bon ça. Automatiquement ça se fait, ok. Ouais, je pense que. Ouais, moi j'avais tout mis de toute façon. It's Paige. You know, I kind of thought we'd be running more jobs together, and Ça, the c'est la truck couleur I du built crew, wouldn't just sit couleur modée de collecting Fartic dust under your Gothic. Donc dance n'hésitez club. pas à aller I voir want sa to work. chaîne So do que je you. mettrai en There are description comme plenty of d'habitude scores to take. avec les liens des poteaux. Et n'hésitez pas à aller dans son crew, on peut aller dans son Okay. crew comme on veut, il n'y a pas de demander d'invitation ou quoi, vous pouvez y rentrer. Et franchement, vous pourrez avoir accès à toutes ces couleurs qu'il met, toutes les couleurs modées, etc. Dans tout ce qui est customisation, on a les roues Bénise dans chaque garage custom. Donc franchement, allez-y et ça me ferait grand grand plaisir de le soutenir pour sa chaîne en même temps. Bon. Normalement, on peut lancer directement. Faites pas attention au Fadjo, ça c'est pour le don de véhicule. Voilà, ici on peut avoir accès directement via le bunker, ça c'est. Vous voyez, toutes les missions du centre d'OP sont en double RP les loulous. Apparemment ici, je dois faire effectuer une opération de récupération. Ouais, pour lancer ces missions. Ah ouais, il faut faire des vols de trafic d'armes. Bon, c'est pas grave, nous ce qu'on va faire. Ah ouais, cette mission-là, elle était pas mal. On va lancer celle-là pour voir. Et on va rechercher un prime poteau et vous allez voir qu'est-ce que ça paye en fin de mission.
Salut poto. Ouais, t'es chaud pour faire l'émission du centre dopé? Parce que là je suis occupé et j'aimerais bien trouver quelqu'un pour le fin de live en fait. Je suis en fin de live. Il faudrait que je trouve quelqu'un pour une mission sur le centre d'opération. Merci. Bon là les poteaux je vais attendre, j'ai un ami, j'ai invité un ami, on va voir. Là je vais le mettre invitation type de salon privé. Voilà, là c'est bon. Je vais mettre le groupe. Excusez-moi. Ces invitations, voilà. Là on va rechercher après un poteau. Je vais voir s'il est libre. S'il n'est pas libre, ben, je ferai une recherche directement. Je vais attendre. Attendez deux petites secondes et puis je ferai une invitation automatique s'il vient pas. Parce qu'il y a beaucoup de potes de poteaux là qui sont occupés avec le don de véhicule donc. Moi je vais faire un live sur le don de véhicule sur Xbox One parce que pour l'instant c'est beaucoup des gamers youtubeurs qui font les dons de véhicule sur PS4. Donc ils proposent leur live, ils montrent comment il faut faire sur PS4. Donc j'aimerais bien vous montrer la manip sur Xbox One. Moi j'ai pu la faire il y a 2 jours. Franchement c'est excellent. J'ai pu avoir des véhicules modés. Donc j'aimerais bien faire un live avec ces potos qui m'ont aidé à faire le don de véhicule, quoi. Bon mais je pense qu'on va faire invitation automatique. Il vient pas, il répond pas, donc tant pis. Voilà, on va voir si on peut avoir quelqu'un. Si on peut avoir personne, on fera la mission du yacht. Je vais vous montrer le yacht et c'est dur d'avoir des poteaux en coordination pour l'instant parce que je vous dis, ils sont tous en don de véhicule, c'est logique. Hein. Faut profiter un max du don de véhicule. Hein. Avant qu'il ne soit encore patché mardi prochain, franchement, il faut y aller. C'est pour ça que moi, je vais en profiter aussi un max de ces jours-ci de faire le don de véhicule parce que. Ah, normalement ça va être bon, hein. Normalement il y a quelqu'un qui va accepter, c'est quand même du double RP, double dollar de gagner. Attends, je vais faire... Ah, voilà. Ah ben attends, je vais le réinviter. Je vais réinviter mon pote. Salut poto, ça va? Dis, je suis quasiment en fin live là. Est-ce que tu sais me rejoindre dans la mission du centre dopé ou pas? Attends, je vais éviter. Parce que là, j'étais occupé de leur montrer comment gagner un max d'argent et un max d'RP. Franchement, c'est vrai que c'est bonheur. Hein. Les courses, tu peux même les lancer en solo. Le yacht, tu peux le faire en illimité aussi. Et en RP, tu gagnes super bien. Oh, ah ouais, en RP. Oh. Ah ouais, franchement, il faut profiter un max, quoi. T'as fait 1 million en un jour. La pêche au gros ou... Ah ben voilà. Voilà. Donc voilà, mon pote. Voilà. Donc le poteau, il dit qu'il a enchaîné avec pêche au gros et une ou deux autres missions qu'il a fait avec le PDG. Et sur un jour de temps, il s'est fait 1 million. Donc vous imaginez la thune qui s'est fait, quoi. Donc profitez un max du double RP et double dollar. Je vous l'avais mis en info hier en plus.
Donc regardez bien les infos que j'ai mis sur ma chaîne et voilà quoi. Allez, c'est parti. Ouais, j'aurais montré le premier comme ça. Vas-y, tu peux conduire, poteau, si tu veux. Bien sûr, les missions, vous les mettez en difficile hein, pour avoir un max d'RP, un max de dollars. Hein. Ça, c'est important. Bon, maintenant, si vous voulez les faire en solo, ben, lancez les missions de PDG, hein, les missions de gros bonnet, quoi. Le yacht et les petites missions de PDG qu'on vous donne dans un petit inventaire avec les missions, donc n'hésitez pas à les faire. Oh, c'est quoi ceci? Ah ouais, d'accord. Ouais. T'inquiète, 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 t'inquiète. Moi je le bombarde de toute façon. Là j'ai pas encore les améliorations dessus, c'est ça qui est un peu embêtant. Ouf. Ah ouais, il balance des grenades et tout, c'est fou là. Ah j'en ai eu un. Attends, il y en a un derrière là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète. Oh, j'en ai eu un là. Ah ouais, je l'ai shooté au moment où il balançait son truc. Il y en a encore un. Ah oui, il y en a derrière là. Ah ouais. Ah ouais, avec les klaxons. Ouais ouais, avec le klaxon. Ah voilà, c'est bon. Voilà, boum. On aurait eu le lance-grenade ou le minigun, c'était bon. On l'aurait eu beaucoup plus vite. Hop là. Ouais, je pense que quand tu fais que... ah non, vous êtes presque abattu sur le gobob, mais attention, on dirait que... Ah ouais, il y a un hélicoptère d'attaque qui le suit, je crois. D'abord, ouais, l'autre, je l'ai déjà. Idiot que de fumer, là. Ouais, c'est bon. Hop, voilà. Vous voyez que même avec le simple calibre 7,85, on peut les avoir. Hein. Oh putain, heureusement que j'ai tiré dans la grenade. Oh putain. Ouais, je l'ai eu, le poteau, là, dans l'hélico, dans le cargo bop. Maintenant, on va s'occuper du cargo bop. Hein. On va tirer dans les hélices. Dans le rotor là, vous tirez dans le rotor, vous allez voir. Ça c'est les points faibles des hélicos, vous tirez dans le rotor. Regardez comme il fume. C'est costaud abattant, normal. Voilà. Ouais, normalement, ah, allez, papa, papa, ok. Aérodrome. Le Starling. C'est lequel celui-là? C'est lequel celui-là? Non, je l'ai pas encore acheté. Non, non, je l'ai pas encore acheté. Oh, il faut le défoncer lui. Ok. Ah ouais, lui il lui tirer dans ses trucs. Oh, ils font des rires. Oh là là, il balance des gros aussi. Ouais, un. Voilà. Hop. Deuxième. C'est bon. Oh. Comment il a bugué le truc. Oh, c'est bon, il va filmer. Ouais, c'est bon, là. Hop. C'est bon, je l'ai eu. Oh, j'ai tiré dans ses hélices.
Voilà. Oh là là, super ça. Super la fin non plus. Franchement, c'est le top. Alors vous voyez qu'avec... Non, non, elle est facile. Même en difficile, elle est facile. Mais en plus, on aurait encore eu plus facile si j'aurais eu le minigun ou le lance-grenade en arme sur le côté là. Du côté convoyeur. Là, j'ai la simple mitrailleuse, quoi. Mais même avec ça, tu vois qu'on peut le faire, quoi. Oh, oh lolo! Oh, c'est des gros hélicos d'attaque, ça. Ah non, c'est... Ouais, c'est bon. T'inquiète. Y'a les idiots qui font de fumée. Oh, je tirais de loin, toi. Voilà, c'est bon. C'est bon. Et il va tomber. Ouais, faire attention aux hélicos, hein, mais souvent on va les tuer. Eh ben. Ah ouais. Ah, attends, on va essayer de le choper. Ouais. Non, ça va. Ah, si tu veux le choper, on va le choper. Attends. Vas-y. On va laisser. Ah, il est au-dessus. Ouais, le problème c'est que moi je peux pas l'avoir comme ça. Arrête-toi sur le côté. Je vais le bombarder, attends. Attends. Voilà, boum. Terminé. Et voilà. Ouais, c'est parti. Ouais, mais enfin, je sais pas si t'as vu, mais sur ces véhicules là, ils ont des jerrycans d'essence juste derrière. Et tu tires dans la jerrycan et c'est bon, toi. Regarde ici, attends. Hop. Voilà, hop, voilà. Oh la merde. Ah, il est là, je le vois, je peux tirer dedans. Voilà. Hop là. Terminé aussi devant. Qu'est-ce qu'ils foutent les deux là, ouais. Hop là. Terminé aussi. Mais... Bien joué. Bien joué. Et là, j'ai fait deux petites courses tout à l'heure dans le live. Une mission et celle-ci qui ont bon pour la dernière mission du live. Et j'ai pris quasiment un level.
suis vraiment aux trois quarts de mon level, quoi. Voilà. Encore un peu, je suis à combien? 216 000. Il faut 218 000. Tranquille. Et voilà. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça va payer. Et 6714 RP, je passe le level. Donc vous voyez les potos. Voilà, c'est pour la fin de ce live. Donc je vous dis pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous, bisous.